On ne comptait plus le nombre de rôles dans des comédies musicales qu'avait tenu l'acteur, jeune père de deux enfants. L'acteur de Broadway Chris Peluso est décédé ce 15 août à l'âge de 40 ans. Connu et reconnu pour son travail aux États-Unis comme au Royaume-Uni, le comédien avait été membre des castings de Mamma Mia, Wicked, Assassin, Miss Saigon, Lesta et bien d'autres comédies musicales. CST, le département de musique de l'Université de Michigan, où il avait étudié, qui a annoncé la triste nouvelle dans une publication Instagram signée par sa présidente en intérim, la chorégraphe Linda Goodrich. Le Michigan Musical Theatre a le cœur brisé d'annoncer le décès de l'un des membres de sa famille et ancien élève, l'affectueux, charismatique et divinement doué Chris Peluso. Point, nous sommes de tout cœur avec sa famille. Un trouble mental qui l'empêchait de travailler dans les commentaires, nombreux sont les comédiens qui lui ont rendu hommage. Le jeune homme souffrait d'un trouble mental, le trouble schizoaffectif le menant à connaître des épisodes de paranoïa invalidante qui l'avaient empêché de travailler et poussé à prendre ses distances avec la scène. Il suivait un traitement depuis 2022, l'année de la mise en place par ses amis d'une cagnotte GoFundMe pour financer ses traitements car le comédien n'avait pas d'assurance maladie aux États-Unis. Celle-ci avait rassemblé plus de 25 000 $ de dons. En novembre dernier, un message posté de la part du comédien indiquait « Je suis vraiment ravi de dire que je suis stable et que je vais bien. Le nouveau médicament que je prends fonctionne bien pour contrôler mes symptômes et a peu d'effets secondaires. Je peux à nouveau travailler et j'ai même commencé à passer quelques auditions. » Le père de deux jeunes enfants, la cause de la mort du comédien n'a toutefois pas encore été dévoilée. Chris Peluso était discret sur sa vie privée et son compte Instagram étant rempli de photos de son chien Pity, un cavalier King Charles qu'il photographiait sous toutes les coutures, qu'il emmenait partout en vadrouille et qui est, d'après les proches de la star, mort l'année dernière. On sait néanmoins que l'acteur laisse derrière lui sa femme depuis 2018, Jessica Gomez, et leurs deux jeunes enfants, la petite Ariali âgée de 2 ans et dont il avait annoncé l'arrivée puis la naissance sur ses réseaux sociaux et le petit Chao Lian, tout juste âgé de 5 mois.